gotta get up. La légende de Maxelland. Le récit du martyr de Maxelland se situe à l'époque mérovingienne, sous l'épiscopat de Vindicien qui était évêque d'Arras et de Cambrai. Elle est la fille d'un riche propriétaire terrien de Caudry. Elle est promise à Ardoin d'Hermeval, futur seigneur de Solesmes. S'étant consacrée au seigneur, elle se cacha pour échapper à son fiancé. Ardoin, vexé, chercha à l'enlever. Il la retrouva et la massacra avec son coutelas. Ce n'est que 3 ans après, se repentant de son crime, sur le passage du cortège ramenant les ossements de Maxelland à Caudry, qu'il retrouve par miracle la vue. Ardoin a alors enterré une partie de sa fortune et celle des notables des 7 cantons en un point connu de lui seul. Sa volonté était d'en révéler l'endroit à celui qui saura faire vivre le culte de Maxelland. À ce jour, il semblerait que personne ne connaisse encore l'emplacement de ce fameux trésor. Sepulta primum in basilica Beuto. Sepulta primum. Sepulta primum in basilica Beutorum. C'est un point GPS. Montre et course sur le soir, ça peut être ça. Thank you.
Bon. Je vais aller voir. Peut-être passer pour un con, mais... Moi, j'aurais vu ce que c'est. Apparemment, c'est dans le coin. Ce serait dans la forêt. Bon, bah, je vais y aller. On va voir. Ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quoi? Qu'est-ce que je cherche? Un arbre creux. C'est bien ça? Bien. Neuf, ça. C'est Punta Primum, Basilica. Ça crame. Beuturo, Petri, Eboli, De Sancti Sepulti, Apud Vilam, Quinomen Pomeriolas. Moi, Arduin d'Arbeval, depuis le 8e siècle, j'ai enterré un coffre. Ce coffre est une donation d'une partie de ma fortune personnelle et de celle des notables des sept cantons, au culte de Maxelland, bienfaitrice des malvoyants, que j'ai miséricordieusement oxy. Ce don vous est désormais offert à vous qui saurez peut-être le retrouver. Par ce fait, et selon mon souhait, vous ferez revivre l'histoire des sept cantons et ravivrez le culte de Maxelland, ma sainte promise. Désormais, et 12 jours durant, vous recevrez 16 indices qui vous apporteront de nouveaux éléments vous permettant, je vous le souhaite, de découvrir ce fabuleux trésor. Mais vous devrez, vous aussi, vous mettre en quête de l'histoire de Maxelland, de la mienne et de celle des sept cantons, et comprendre ce qu'a été votre région en des temps reculés du vôtre. Hey, everybody get up.